Bonsoir. J'étais sur le point de dormir, j'ai eu une inspiration. Donc, je me suis dit, il faut que je poste ça. Bonsoir, bonsoir. All right. Vous savez que moi, je n'ai jamais honte. Je n'ai jamais honte. J'étais sur le point de dormir. Vous voyez mes yeux, hein? Comment c'est rouge. Oh, bonsoir, Christelle. Yvette, bonsoir. Leïla. Ne vous dérangez pas pour moi, ne me dites pas que je suis fatigué, que je dois aller dormir. Parce que quand mes yeux sont rouges comme ça que j'ai l'inspiration. Attendez, je mets d'abord, je lance d'abord TikTok. Bon. Ce message concerne toute personne sur qui ça va tomber. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Donc bonsoir. Je me suis rendu compte qu'il y a une énergie décourageante qui nous prend. On en est tous victimes. Ok? Et c'est une force subtile. Le but en fait, c'est premièrement de te faire croire que tu n'as pas assez de moyens pour commencer. Bonsoir, bonsoir. Yvette, bonsoir. Erika, Flora, Nikes, Edwige. Non, Edwige, je fais les directs. Ça fait 3 jours que j'ai recommencé les directs. Moi, je fais les directs. Merci pour vos fleurs. L'énergie décourageante veut te faire croire que pour... Bon, supposons que tu arrives quelque part, tu vois un magasin, c'est bien organisé. Tu regardes, tu dis, waouh, c'est bien. Quand l'esprit va te mettre à cœur que toi aussi, tu peux avoir la même chose. Ou bien ouvre ta part d'école. Ou bien crée ta part de business. Tu vas te dire, il faut d'abord que j'ai assez d'argent. Il faut d'abord que j'ai les bonnes connaissances. Il faut d'abord que je me forme. Je vais vous donner un secret. Bonsoir. Je vais vous donner un secret qui va vous libérer ce soir. L'excellence, c'est quelque chose qui se poursuit et ne s'atteint presque jamais. Mais pour l'atteindre, tu dois commencer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des perfectionnistes. Ah non, j'attends d'abord, je ne peux pas commencer maintenant. Tu sais, pourquoi tu ne veux pas commencer? Non, parce que tu vois, j'ai encore ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Sans que tu ne le saches. Bonsoir, ma fille de la Côte d'Ivoire. Je te donne la force pour te lever pendant la maladie. Bravo, vraiment, bonne guérison. Vous ne pouvez jamais atteindre l'excellence en pensée. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui va te dire que mon premier business était bien organisé. C'était propre. Jamais. Voilà là où on vous coince. Voilà là où on t'a coincé. Laissez madame tranquille. Arrêtez de me poser des questions sur madame. Si ce qu'elle dit ne te plaît pas, maman, pardon, gentiment. Tu as compris? Laisse comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs. Vous avez des dons. Certains, vous avez le don du business.
Mais vous attendez. Je suis allé chez un ami aujourd'hui. Quand je suis arrivé au Gabon, ça fait 8 mois. Son salon de coiffure était dans un certain état. Un certain état. Il avait des rentrées d'argent. Hein. Mais je ne peux pas vous dire que je ne connais pas à quoi son salon ressemblait. C'est là 3 ans. Je suis allé là-bas aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai détaché mes cheveux. J'ai lavé un peu, j'ai peigné. Il avait refait l'intérieur. J'ai regardé, l'esprit a commencé à me parler que voilà ce qui bloque les Africains. On attend que tout soit parfait. Non, j'ai seulement 50 000, je peux faire quoi avec? Ah, avec 200 euros, on peut faire quoi? Rien. Tu manges les 200 euros. Tu manges. Tu arrives. L'autre jour, j'ai refait une partie de mon entreprise. Et pour la première fois, je vous le dis, j'ai acheté des bureaux neufs pour mes employés. Tout neuf. Quand j'ai acheté, je déposais. Je leur ai dit que ne voyez pas comment je vous achète de neuf aujourd'hui. Ne voyez pas que j'achète le neuf aujourd'hui. J'ai commencé, j'ai acheté les chaises en plastique de 3500 Mbopi. Aujourd'hui, je peux sortir 60 000, je vous achète une chaise de bureau. La chaise seulement. Peut-être dans 2-3 ans, je pourrais acheter la chaise de 150 000, je ne sais pas. Je leur dis qu'il n'y a même pas en 2020 et 2021. Je cherchais les chaises de seconde main à la brocante, je fouillais. Écoutez, s'il y a n'importe quoi qui vous bloque, que vous attendez d'avoir, tu pars, tu vois quelqu'un que ça fait 5 ans qu'elle a son salon de coiffure. Tu veux te comparer à elle alors que tu n'as pas encore ouvert. Oh my God. Ne faites pas ça. Voilà ce qui vous bloque. On ne peut améliorer que ce qui a commencé. On n'améliore pas les projets dans la tête. On n'améliore pas. Et vous avez toujours, je voulais, je vais, j'attends de... Et ça te bloque, tu es là. Parce que t'as... Vous savez, moi je n'ai jamais eu peur de la moquerie des gens. Mais je te dis que si je sors pour chercher mes... Je fais frire mes beignets. Quand j'ai fait frire les beignets, j'ai vendu en Angleterre. Je marchais avec le... J'ai acheté le sac de lit de là. Le sac qu'on m'a à 500 à Carrefour. Je mettais mes beignets dedans le matin. Que j'avais emballé dans le plastique. 5 beignets à 1 pound ou 4 beignets à 1 pound. Je marchais, je passe dans les salons de coiffure, je donne. Parce que qu'à la fin de la journée, ça peut me donner 20, 30 pounds. Ça nourrit ma fille. Ça me nourrit. Après, je reste aussi dit que bon, je peux acheter une machine qui scelle. La machine qui scelle, je l'avais achetée peut-être à 30 pounds en ligne. Après, il dit que je vais acheter maintenant, j'ai acheté mon premier appareil pour imprimer les étiquettes, ça s'appelait Dymo. D-Y-M-O. Ça faisait des impressions à la chaleur. J'avais acheté à 60 pounds sur eBay. Mais le premier jour que j'ai fait les beignets, j'avais attaché. J'ai mis dans le plastique, j'ai attaché à la main. Comme ça, là, j'ai attaché, j'ai tourné comme ça, là, j'ai mis, j'ai fait tout. Il n'y avait pas d'étiquette sur ça. Et tu vas voir que ça va briser la peur que tu as de te lancer là. Personne ne va te juger, ma chérie. Genre, je vais briser les barrières dans ta tête ce soir. Personne ne va te juger. Oh ha! Si tu savais même que les gens que tu penses qui te jugent là sont impressionnés par ton courage. J'ai vécu en Angleterre, on était un groupe de jeunes. Moi, on m'a dit quoi? J'ai passé mes 6 ans sans papier, comme vous connaissez déjà. Tous ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait 6 ans sans papier en Beng. Donc, j'avais un groupe d'amis
Et là-dedans, il y avait un couple. Ils étaient avec les papiers français. Ils avaient fait des études, business management, whatever. Donc, ils étaient, le garçon était d'origine ivoirienne, la fille était d'origine haïtienne. Et tu vois, quand le gouvernement français avait dit que l'État s'occupait d'eux, on leur donnait l'argent, des allocations. Donc, quand on était en Angleterre, eux, ils fréquentaient. Je crois que le gars est venu faire son master là-bas. On n'avait pas les mêmes problèmes. Quand chaque mois, l'État lui donnait son argent, et puis bon, il fallait seulement qu'il finisse son école, après il cherche le boulot. Gars, moi, j'étais loin derrière. Il fallait que je cherche la nourriture quotidienne, le pain quotidien. C'est pour ça que la prière, donne-moi notre pain quotidien. J'ai appris cette prière pendant cette période de ma vie. Je savais que personne ne me donnait à la fin du mois. Un jour, et moi, j'étais déjà que je. Parfois, qu'elle restait à côté de sa copine, la fiancée du gars. Je me sentais un peu genre. Parce qu'elle parlait comme une. Voilà, tu vois. Bon, voilà, tu sais, chérie, on va partir. Moi, j'étais à côté d'elle, mon accent. J'ai toujours mon accent camerounais, c'est. Moi, elle m'en fout. C'est vrai que je pouvais ouatiser parce que j'ai fait 2 ans en Belgique, j'étais allée à l'université là-bas, mais. Un jour, ils sont. Enfin, plus tard, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Je les ai visités. Sa femme était sortie. On a une conversation avec le mari. Il me dit, tu sais, depuis que je te connais, ça fait des années. Je sais que je t'apprécie beaucoup. Il dit que j'ai souvent eu des problèmes avec ma femme à cause de toi. Parce qu'elle voyait comment elle t'appréciait. Ça l'énervait, ou elle était jalouse, ou elle croyait que quoi. Ce n'est pas que j'étais amoureux de toi ou quoi que ce soit. Non. Mais j'apprécie la façon dont tu te bats. Moi, dans mon cœur, je me disais que, ah, si qu'elle me voit qu'une villageoise camerounaise qui vient voir les beignets en bain. Mais ça ne m'arrêtait pas, hein. Ça ne me stoppait pas, moi. Moi, ça ne me stoppait pas, je suis mon agent. Vous serez surpris de savoir que les gens que vous êtes là, vous vous dites que, ah, moi, je ne peux pas quand même. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces gens-là sont même impressionnés par vous. Mais c'est plus tard que Dieu va vous dire. Ça, c'est un truc comme peut-être ma fille avait déjà 8 ans, hein. Donc après, on s'est connus pendant 9 ans. C'est la 9e année qu'il m'a dit. Imaginez si je m'étais laissé arrêter parce qu'il pensait que qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, qu'est-ce que. Il dit que ma femme est souvent frustrée par toi. Parce qu'elle dit que toi, tu es trop. Tu es indépendante. Tu es. Je sais pas, on peut dire. Pour ça, moi, quand elle la regardait, je vois, elle fait toujours son make-up tous les jours. Elle est toujours, tu vois, le genre de fille qui est toujours parfaite, avec des talons. Elle portait toujours des talons tout le temps. Moi, comme je marchais pour aller voir mes beignets, j'étais avec mes baskets. Du coup, quand je regarde parfois, elle met les talons, je dis que waouh, celui qui aime le genre de fille qui met les talons, voilà, ça, c'est le genre de fille que les hommes aiment. Moi, je ne savais pas que le gars était là, il admirait que ben, c'est une femme qui se bat. Les gens qui sont en train de vous bloquer mentalement, que vous pensez qu'ils vont dire que, ils vont dire que, eux-mêmes, ils sont en train de vous observer que mince. Tu arrives comment? L'Afghane, la mère, là, elle s'occupe de 3 enfants seule. Depuis 5 ans qu'elle la connaît, les enfants la mangent. Elle paye le loyer. Elle part, elle travaille. Elle revient, s'occupe de la maison. Dieu te met une idée dans la tête, tu es en train de te bloquer. Ha! Dieu ne peut que améliorer ce qui a été commencé. Excusez-moi. Dieu ne peut qu'améliorer ce que tu as commencé. Écoutez bien haut. Donc pour l'instant, là, si tu as un petit ordinateur qui tombe déjà, quand il ne coupe la lumière, l'ordinateur se coupe. Comment ça avec l'ordinateur là? Avant d'acheter le Mac. Aujourd'hui, j'ai le Mac. Je ne sais même pas envie de lancer le Mac là. C'est quelque part là-bas sur mon lit. J'ai dit à mes employés que vous voyez, elle peut me lever aujourd'hui. Si même si j'achète le Mac chaque semaine, ça se paye. Je m'en fous. Le lendemain, j'achète l'autre. Vous savez le genre d'ordinateur avec lequel j'ai commencé? Parce que les jeunes aujourd'hui. Oh, c'est fou. Je ne savais pas quand je venais parler comme ça. Les jeunes aujourd'hui, quand ils observent, ils voient que parfois tu as une facilité à faire certaines choses. Ils pensent que toi, tu n'as jamais connu ce qu'ils sont en train de connaître actuellement. Que tu n'as jamais eu des blocages. Ils pensent que ton père t'a laissé 5 terrains. Tu as vendu un terrain chacun à 50 millions. C'est avec ça que tu as lancé l'entreprise là.
Non. Parlez à vos jeunes. Ne venez pas d'un bénissement pour les impressionner. Dites-leur comment vous avez commencé là-bas. Dites-leur que j'ai cotisé mon argent comme ça, j'ai cotisé. Je partais faire trois boulots. Même les dimanches, je partais laisser ma fille chez le voisin pour pouvoir travailler. Et vous allez voir que la vision va augmenter avec le temps. Quand tu as commencé ton business, si tu as une entreprise qui a fait 5 ans, les choses que tu souffrais pour avoir il y a de cela 4 ans, aujourd'hui tu les fais facilement. Et dans 5 ans, il y a les choses que pour l'instant aujourd'hui c'est un peu difficile à concevoir pour toi. Dans 5 ans, ce sera facile. Tu vas rester au ça, tu vas dire, on va acheter, on va investir 50 millions pour acheter ça. Allez, décaissez les 50 millions, madame. Alors qu'aujourd'hui, même seulement 500 000 là, ça te... Quand on dit qu'il faut acheter la chaise, tu dis, pardon, 20 000, c'est beaucoup, pardon. Allez m'acheter la chaise en Bopi là-bas de 3 500, vous allez déposer sur la table, sur le sol là-bas. Tu fais, tu évolues. Et quand tu es en train de grandir, tu développes la fidélité, la consistance, persévérance. Je dis, quand il parle aux jeunes, je leur dis toujours que ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. Tu dois apprendre à économiser. Tu dois apprendre à utiliser le petit argent que tu as pour investir. Tu dois apprendre à investir ton temps. Tu es chez quelqu'un, tu as Internet gratuitement, tu es sur TikTok tous les jours, tu fais quoi? Et, oh gars là, parce que c'est gratuit. Si tu parles et ils ne t'écoutent pas, ils se moquent de toi. Je dis toujours, moi mes perles, je ne les donne pas à tout le monde. Je ne donne pas mes perles à tout le monde. Jésus a dit que si tu arrives dans une ville, on ne te reçoit pas. Sors, en sortant, tu grattes tes pieds au sol comme ça, tu dis que c'est bon. Comme je parle, je suis parti. C'est comme ça. Parfois, tu veux aider quelqu'un. La personne se retourne contre toi. Il veut même te manger. Il veut te piquer. Il veut te mordre. Alors que tu venais pour l'aider. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous attendez. Non, j'attends d'avoir. J'attends d'abord d'être. Tu guettes d'abord le besoin. On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? D'abord. Qu'est-ce que Dieu m'a mis en idée depuis? Depuis, il me dit de fabriquer quoi? Il me dit de vendre quoi? Tu peux commencer par vendre une chose, ça t'amène à une autre, ça t'amène à une autre, ça t'amène à une autre. 4 ans plus tard, tu es dans un autre domaine. Mais tu as commencé quelque part. Arrêtez de vous bloquer toujours. Moi, ma politique est, je commence toujours avec ce que j'ai, là où je suis. Écrivez. Je commence avec ce que j'ai, là où je suis. Chola, Soga. Chola, c'est maintenant. Fais avec ce que tu as là où tu es. Vous allez tomber sur ma vidéo, vous allez critiquer. Je m'en fous. Vous suivez là? Je m'en... Voilà. Celui à qui ça va parler, la personne va venir prendre son message, va partir avec, il va utiliser. Et je pense que c'est ce que... C'était tout, hein. That was it, you know. C'était bon. Mon but a été atteint. Très important. On ne peut pas améliorer. Supposons que tu veux créer une page YouTube depuis 2 ans. Comment tu vas faire pour savoir les vidéos qui marchent? Comment tu vas faire pour savoir le contenu que ton public aime? Si tu ne postes pas.
Tu dois poster, tu vois, on te demande plus. C'est comme ça que j'ai découvert ma mission. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert ma part. Bonsoir, ma reine Liona. Bonsoir, comment tu vas? Je faisais un, je fais un truc, je fais sur trois contenus. On vient, on demande ceci. Il dit, ah, je pars, je cherche encore. Je viens, je dépose. Petit à petit. Tu vends les beignets, on demande le poisson. Tu demandes le poisson sur ça. Après, on vient, on te demande, est-ce qu'il n'y a pas le riz? Tu dis, bon, je vais aussi faire le riz. Après, tu viens voir que non, le poisson ne marche pas trop. Le riz marche, par contre. Beignet, haricots, bouilli, avec le riz, munga. Tu laisses le poisson. Tu améliores, tu diminues ce qui ne sert pas, tu augmentes ce qui est demandé. Tout ça pour avoir le bénéfice surtout. À un moment, tu vas voir que l'esprit d'excellence va t'envahir. Tu voudras faire maintenant que ce qui est excellent. Il y a les étapes dans l'entrepreneuriat. Les enfants d'aujourd'hui veulent seulement... Si on ne me donne pas 15 millions pour lancer le business, je ne fais pas. Je regarde ça, je ris. Tu ne connais pas gérer 15 000. Tu penses que c'est 15 millions qu'il te faut? Sérieusement? Même si tu tombes par hasard dans une maison abandonnée sur 15 millions, c'est question de jour pour que l'argent la finisse. Parce que tu ne connais pas attirer et garder, attirer et conserver et grandir 15 millions. La loi, l'argent a les lois. Là où vous êtes là, si on vous donne 1 million chacun. Parfois tu vois quelqu'un en ligne, il donne l'argent. Tu dis, donne-moi pas, je veux. C'est pas l'argent qu'il te faut. Apprends à maîtriser l'énergie de l'argent. Apprends à gérer l'énergie de l'argent. Apprends à multiplier l'énergie de l'argent. Tu vas voir que l'argent va finir. Ça va s'asseoir. Une partie va couler, l'autre va rester. Ce qui reste va se multiplier. Après, une partie va couler, ça va partir, ça va attirer encore l'autre. C'est comme ça que ton argent va commencer à grandir. Moi, je dis que, hey, je n'ai jamais eu 2 millions dans mon compte. Hey, je n'ai jamais eu 10 millions à ma possession. Hey, 20 millions! Hey, 50 millions. Voilà. Mel dit ceci. Elle a commencé la vente des vêtements, a commencé par en vendant des vêtements qu'elle ne portait plus. Aujourd'hui, elle a une boutique. Si tu veux, demain, tu peux avoir une boutique plus grande ou des boutiques dans plusieurs villes. Maintenant, vous devez apprendre à multiplier parce que parfois, quand vous arrivez à un certain niveau, vous vous bloquez. Aucune entreprise ne peut arriver là où son patron n'a pas vu. Il faut que le visionnaire de l'entreprise voie. Il parle sur l'entreprise. Que voilà là où on va. Et moi, je blague pas mes employés, je leur dis toujours, vous m'avez trouvé ici. L'entreprise ici va grandir avec ou sans vous. Maintenant, le choix est le vôtre. Mais on avance. We're going somewhere. On avance. Votre problème, ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné l'argent. Ce n'est pas la CAF qui a refusé de donner l'argent. Ce n'est pas les services sociaux qui ont refusé de te donner. Non. C'est parce que tu attends la perfection. Tu attends que tout soit nickel. Tu attends que ce soit parfait. Tu attends que... Non, il faut que ma marchandise vienne de Dubaï. Il faut que ça vienne de Turquie pour que je vende. Va à la friperie chercher la marchandise, tu vends. Laisse-moi tes bêtises là. Voilà. Mon message ce soir est passé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. L'excellence n'arrive pas au premier coup. L'excellence se poursuit. Jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Ça se poursuit. Et les progrès qui sont les plus stables sont ceux qui ont été progressifs. Ce que tu as vu hier, il avait seulement une chaise
Après, il a acheté 3 chaises. Après, 10 chaises. Après, il a renouvelé, il a refait le magasin. Après, tu vois comment il est en train d'évoluer. Toi, tu dis, oui, l'année, il a ouvert, je voulais... J'avais vu le local, là, je voulais acheter. Tu n'as pas acheté, pourquoi? Tu n'as pas acheté, pourquoi? J'avais un projet d'ouvrir ma page. Tu n'as pas ouvert ta page, pourquoi? Tu peux critiquer pour les autres. Non, quand il avait fait ma part, vous allez voir, regarde pour lui comme c'est penché. Regarde comment c'est. Non, quand il avait fait ma part, ce sera parfait. Tu mens. Tu mens. Dis que la friperie donne l'argent. Tous les domaines donnent l'argent. Tous les domaines, ma chérie. Discipline-toi. Ne cherche pas à avancer pour arnaquer les gens. Boss! Vous n'aimez pas travailler. Hey! Je vais travailler 2 heures de temps et puis j'ai un salaire de 2 millions. 2 heures par jour, j'ai 2 millions par mois. Vous voilà. Les gros rêves. Vous fuyez au travail. Je bénis l'endurance en vous. Quelle que soit l'activité que vous avez pensé à lancer. J'enlève les barrières qui vous stoppaient. Barrières financières. J'enlève les barrières de confiance en soi. Les barrières monétaires. Tout argent qui vous attendait qui a été bloqué. On vous a donné, après on a encore bloqué. Je vois quelqu'un que la banque t'a libéré l'argent. Après ils ont encore immobilisé tes comptes. Je viens restaurer tes comptes bancaires au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Lydie dit qu'elle a commencé à coiffer sur sa propre tête. Oui. Lydie, tu as commencé pour toi, mais rien. Toute personne qui a commencé ça a donné quelque chose, c'est parce que la personne n'a pas abandonné. C'est parce que la personne n'a pas abandonné. Donc quand tu dis que mais rien, ça veut dire que tu as arrêté. C'est là que tu vas mourir, ma chérie. C'est là que tu tombes. On est les hustlers, on n'arrête jamais. Ce n'est que le cercle qui va essayer de nous arrêter. Même comme ça, on va encore le feinter. Même dans l'autre vie, on va continuer à travailler. Oui. Voilà, elle a commencé à coiffer sur sa tête. Aujourd'hui, elle a le salon. Mais vous voulez que les gens viennent vous raconter leurs histoires? Vous voulez qu'on vienne vous montrer comment les gens s'en sont sortis? Sandrine, tu cherches le travail. Hein? Cherche le travail, ne crée pas ta part. Tu as compris, non? Cherche le travail. Attends toujours. Attends toujours que quelqu'un vienne d'employer. Vous voilà. Je cherche, mamie. Porte les lunettes, tu cherches avec. Tu vas voir que la tête qui a construit la petite maison de 2 chambres là. La tête là va construire l'immeuble de 5 étages demain. La tête là va construire encore l'immeuble de 25 étages demain. C'est comme ça. La coiffure a payé ses études d'infirmière en Belgique. Voilà. Pardon, mais si on parlait pas que comme ça, les gens vont simplifier. Celui qui a les coiffeuses en Belgique, elle dit, ah, ça ne donne même rien. Personne ne veut travailler, personne ne veut persévérer, personne ne veut construire. Personne ne veut. Oh, la persévérance et le travail. Les deux outils-là, ça ne manque jamais. Que tu n'abandonnes pas. Que tu n'abandonnes pas. Tu tombes n'importe comment. On vient, on prend ton argent. Quelqu'un vient te prendre la marchandise, il ne donne pas l'argent. Dans la nuit, tu pleures un peu. La nuit, là, 5 heures. Les idées vont venir dans ta tête, des stratégies. Lève-toi avec courage. Tu peux mettre ça en pratique, tu vas voir. Avec la coiffure, tu as fait voyager tes frères jusqu'à construire la maison familiale. Alors, pardon. Tu crois que le mindset que tu as développé dans la coiffure, là, ma chérie, quand tu vas commencer à offrir tes salons seulement en désordre, les gens vont commencer à dire, on te freine peut-être même 10 ans pour que tu n'ouvres pas. Le jour où tu ouvres les salons, hein, c'est l'excellent service que tu veux voir là-bas. C'est l'excellence du service que tu veux voir parce que tu as commencé ça depuis longtemps. Tu as commencé depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui.
Oh, non, 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 non. Je suis rodé dans le business. J'ai 13 ans d'expérience dans le business. Hein. Et sur ma 14e année. Je suis à ma 14e année. Parfois, je crois que j'ai vu toutes les couleurs jusqu'à ce qu'une autre couleur se pointe. Mais je dis que même toi, là, tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser. Tu es devant et je suis derrière. Oui. Je te suis, tu me fuis. Tu as quoi d'autre à faire dans la vie? Ton énergie, c'est pour faire quoi? Pour aller donner l'argent aux hommes? Pour aller te faire draguer? Alors que tu as ta famille qui compte sur toi? Vous devez avoir la motivation que je dois sortir de ça. C'est ça qui te motive. Tu te lèves à 5 heures. Tu sors, tu pars, tu cherches le travail. Tu fais. Tu dois avoir quelque chose qui te motive. Parfois, c'est tes enfants qui te motivent. Parfois, c'est ta mère qui est au pays. Parfois, c'est tes petits frères. Tu trouves même le travail, tu es en train de bosser pour quelqu'un. En bossant pour la personne, tu mets ton argent de côté. Ça, c'est pour mon rêve. Après un an, tu vois comment? Tu n'as jamais eu 1 million dans ta poche. Après un an, tu vois 1 million dans que tu as épargné. Après 2 ans, tu as épargné 3 millions. Tu lances tes business. Oh. Moi j'aime le business. Hein. Oh. Me, I like business. Oh. Lancez-vous. C'est vrai que quand tu n'as pas eu le choix, quand le business est forcé sur toi, pour toi ça devient naturel. Donc quand tu vois quelqu'un qui a de la peine à se lancer dans le business, tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Parce que pour toi c'est naturel, non? Genre, achète ton marché, tu viens revendre ici, non? Il va dans la friperie, tu achètes les belles robes que les femmes de Bonanjo aiment là, non? Tu mets sur ton sac, dans le sac à dos, tu pars dans les bureaux, tu proposes. Pour toi, c'est naturel. Mais pour l'autre personne, ah, je vais trouver où? Et si on me trompe? Et si les gens n'achètent pas? Et si je parle, ils me regardent, après ils disent que plus tard, ils ne payent jamais. Et si, écoute, quand tu viens me dire, et si, et te dis d'office, ma chérie, tu vas échouer. Tu as compris? Tu as compris? Tu vas échouer. Parce que toute personne qui a réussi a échoué. Maintenant, si tu ne veux pas échouer, ne fais pas de business, mamie. Ne commence pas, oh, oh, oh. Va ailleurs, va ailleurs. Si tu as peur d'échouer, pardon. Moi, je te dis, oh, ah, tu vas échouer. Et si tu n'échoues même pas, c'est la surprise que, hey, comment ça? Attends un peu. Tu vas échouer. Tu vas tomber. On va t'arnaquer. On va voler ton argent. Tu vas investir, ça va partir en fumée. Ouais. Quand ça va partir en fumée, est-ce que tu vas te relever pour aller recommencer encore? C'est ça la vraie question. Mais comme vous êtes des abandonneurs patentés, tu as habitué que tu vas te coucher chez B, tu couches avec lui 2-3 semaines, il te donne l'argent d'un mois. Tu es une prostituée en fait, ma chérie. Tu es une prostituée. Hein, mamie Nyanga? On ne bâtira pas dans ce sujet ce soir. Parce que tu ne veux pas développer l'endurance pour travailler sur tes choses, sur tes business. Tu ne veux pas te mettre debout pour coiffer 4 heures de temps. Et... ma reine, je veux que les hommes riches me draguent. Je veux que les hommes riches me draguent. Oh, ma chérie, je prie pour que tu établisses ton business. Je prie pour que tu établisses ton business. Oui. Voilà. On t'a frappé 800 euros. Ta tête chauffe. Oh! Papa, excuse-moi. Je ne me moque pas de toi. Mais je me rappelle moi-même les fois où j'ai perdu mes dos. Il y a eu une fois où on m'a frappé 1 million. 1 million à l'époque, pour moi, c'était mon devant derrière jusqu'à... J'ai passé 6 mois à la maison.
Des 6 mois là, 4 mois, je ne bougeais même pas. C'est le cinquième mois qu'elle commençait même pas à sortir. Moi, on m'avait traumatisé. Tu restes, tu te couches, tu penses comment tu peux. Que je maudis la personne là, tu la maudis, tu te tournes, tu maudis. Tu te tournes, tu dis comment on peut être méchant comme ça. Après, tu te tournes, tu maudis. Après, tu. Moi, aujourd'hui là, il passe vite, vite. Aujourd'hui, c'est. Tu bois ça, ou ça. Aujourd'hui là, on avance. Tu deviens sage. Il y a des vaccins inévitables. Il y a des vaccins inévitables. On doit te vacciner. Mais ça va passer. Darlene Foku, je dois établir mon business. Dis que j'ai établi mon business. Quitte avec vous, je dois, je vais. Je vais. Quitte avec ça. Lance demain, pardon. Moi, j'aime l'action. J'aime l'action. Après, ça devient un mode de vie. Après, tu deviens fort. Tu vois que tu as développé une carapace. Tu vas voir que les gens vont commencer à dire que mais la fille, ne tombe jamais. Parce que tu es tellement habitué. Tu es habitué. Dès qu'on tombe ici, là, tape, tu cherches une autre issue. Dès que ça échoue là-bas, pap, tu tombes là-bas. Dès que ça n'en pas là-bas, pap, tu dis, mais, tes employés disent, mais elle a toujours les solutions. Oui, c'est l'expérience. C'est la force de l'expérience. Toujours une solution. Ce n'est même pas toi qui fais. Parce qu'à l'époque, quand tu étais encore d'homme, un peu idiot là, quand tu calais devant une situation comme ça, là, tu faisais même 3 mois avant de te relever. Maintenant, là, c'est question de minutes. On vient, on te bloque ici, là. Tu dis que, attendez, pas attendez, attendez. Ah, c'est ça. C'est les années d'échecs. Les années de courir après les clients que payer mes choses, on ne paye pas. Les années, oh, maman, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans le business? Le courage. Quand vous payez vos dîmes là, parlez sur vos business. Parlez sur vos business. Que tu es connu à l'international. Tu es connu. Les clients viennent, ils affluent. Je déclare que je reçois mon chiffre d'affaires multiplié par 10 d'ici le mois de juin. Visualisez l'avancement de vos business. Ce n'est pas la blague. Tu ouvres quelque chose, quelqu'un vient t'escroquer. Tu mets 3 caissières dans une de tes entreprises. Les 3 caissières t'escroquent. Tu dis, Seigneur, cette succursale ne va pas tomber. Au nom de Jésus, je relève mon bureau qui se trouve à... Tu dis, la ville, Yaoundé, Douala. Je relève mon bureau de Yaoundé au nom de Jésus. J'appelle les bons gestionnaires. 3-4 mois plus tard, tu vois, moi, Yaoundé commence à donner. Tu dis que, ah, quand je pense qu'ils voulaient fermer Yaoundé. C'est comme ça. Persévérance et vision. Parce que le combat se passe dans ta tête. Pour payer sa dîme, vous lisez Malachie. Malachie chapitre 3, versets 10, 11 et 12. J'ai enseigné sur ça le matin. Malachie 3, versets 10, 11 et 12. Tu peux aussi lire le verset 6 et 7 de Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Matthieu chapitre 6, verset 11, je pense. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, par cette dîme, j'active mon pain quotidien. Que je reçoive l'argent au quotidien. Voilà, c'est tout. Hein. Attendez pas moi dormir. Il est 23h30. Bye yo. Bye bye yo. Et c'est que vous allez continuer à TikToker. Mais moi, je n'ai pas toujours droit au but. J'ai fini mes choses que j'ai à dire. Quitte-moi. Dormez bien. Hein.